quels sont les autres, c'est peut-être deuxième question, quels sont les autres pays africains, peut-être que vous connaissez, qui ont la même couleur du drapeau? Sénégal. 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 Mali. Le Mali. Ghana. Le Ghana. Ah. Le Bénin. Le Congo. Congo. J'attends un pays, mais le Kenya, non. Pas le Kenya, désolé. Une mille astuces pour trouver. Le comment? Le pays, non pas les comment. Oui, le comment également. Le Niger, non. Le Niger, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire. Le premier pays qui a eu son indépendance. La Guinée. La Guinée. Exactement. Et aujourd'hui. Non, c'est la Guinée. C'est la Guinée avec Sékou Touré qui en 58 a dit non à De Gaulle. Africain, africain. Donc, Guinée, le premier pays avec son indépendance. C'est donc de la Guinée dont on veut vous parler. C'est un morceau extrait d'un album déjà disponible qui s'appelle La Mer Cinquantenaire. DJ, lance le track. La prise de pouvoir par un coup d'état que tout le monde a accepté au début, parce qu'après 29 ans de dictature, ça paraissait stabilisant. Mais qui s'est comporté? Et je n'accuse pas seulement ce commandant, non, ce capitaine, pardon, mais il y a eu un déferlement de violence comme on n'a jamais, même Amin Dada n'avait pas fait ça. Soyez que reste surpris lorsque dans le pays démocratique, il existe pas avec mégalomanie. Quand on arbore avec fierté les armes noires d'une république, quelle ignominie de retrouver des armes entre hommes et femmes de cette même patrie. À titre posthume, sacrifier son nom, il suffit trop nombreux déjà pour les familles en deux. Stop, pour les comptes des corps, je reviens de la mort et sans satiété. Témoins sont les rescapés, encore du mal à comprendre. L'avocat du diable qui a marqué par ce jour du bain qui t'attend, l'opinion de Pénal qui s'est mise en marche, assise mise en marche, sans doute que tel dommage serait perpétré par les cadages. Les opposants furent visés, tabassés, pointés, les filles les plus fignolées, le peuple est sacrifié comme une ligne au stade, qui nous couille de regarder ses espoirs improbables. Les mercenaires s'écroulent plus fort, en peu raisonnable, encore le plus bête qui est top. Quand la patrie veut l'épreuve, elle nous dit qu'elle est merde, que l'on s'allie en retenant avec le peuple. Connaissez-vous d'Alice Camara? Les membres de sa junte, le capitaine Camara s'est contenté de demander que l'histoire de l'Afrique soit inscrite dans la médiation du président qui avait pleine autorité. La même force commissaire, le double ex-militaire, un ou deux, c'est une force commissaire. Et vivre une si grande impunité. Au nom de quoi? Et surtout au nom de qui? Laquelle du pouvoir devrait-elle coûter une vie? Ce que nous révoltons est que Conakry est loin d'être un cas isolé. Dans une Afrique meurtrie, à la mémoire collective immolée, sous l'échelle des grandes ambitions jamais réalisées. Vous pourrez tromper une partie du peuple, une partie du temps seulement, mais jamais du peuple éternellement. La reprise en la masse, pour l'instant, seront portés à la face du monde. Car c'est la même force commissaire au bout des militaires, hein, au chevet d'un futur ex-militaire. La même force commissaire au bout des militaires, hein, au chevet d'un futur ex-militaire. Nous vivons une époque extraordinaire d'absurdité. Eh oui, eh oui. À quel corps va-t-on le comparer? Facile à trouver parmi les amis d'Avis et d'ailleurs. Il y a les gars, j'ai voulu dire, et il y a les mains. À qui vais-je le comparer? À l'ouest de la région ivoirienne des monts et collines, sur la côte d'Or, du Gironi, poursuit jusqu'à la Cabinet. Tu peux voir les couleurs de Saint-Michel sur la carte, tout ça vient de la belle aujourd'hui, sur tout le golfe de Guinée. Rouge sang, rouge fort chef aujourd'hui, tout va vite dans la mer, c'est pas le fort à sa position, ça commence à réfléchir.
quelqu'un parle comme ça. Quoique c'est une façon de se lever, de révolter, d'atteindre à la dignité des peuples africains. Merci. Alors, déjà disponible, vous devez voir les filles en jaune. En fait, elles vous vendent des clés USB. Et puis à l'intérieur, vous aurez trois albums, dont celui-ci, La Mère Cinquantenaire, qui est un devoir d'histoire, dans lequel vous allez trouver des morceaux sur toute l'Afrique. Des morceaux que nous pensons qui vont justement vous apporter plus de connaissances sur l'Afrique que vous avez déjà. Voilà. Suivez le mouvement. Amer, 3xW, le groupe amer.info. Merci. Et merci à toi, Soli. Ta mère connaît. Yes, au présent. Oui. Donc, il y a quelques mois, le Cameroun a connu l'an.